Genet attend ses parents au PC Sécurité. Le petit Gabriel Genet attend ses parents au PC Sécurité. En fonction de la nature du terrain, de la météorologie, de l'état des troupes, de tout un ensemble de critères, et c'est ce que l'on a en chef de toutes les troupes présentes sur le terrain, de donner l'ordre du défilé, que l'on commence le défilé. Donc que l'infanterie se mette en place pour défiler, que la cavalerie peut-être ouvre le défilé. Alors peut-être les cuirassiers vont partir à gauche, vont... Thank you.
alors, l'empereur va se mettre maintenant sur l'estrade. On vous a pas dit, c'est 10 euros la photo. Hein. Faut prendre l'argent la veille d'ailleurs. Regardez s'il est beau cet empereur. Il fait la taille réglementaire de Napoléon, 1m68. Napoléon n'était pas petit. La taille de la conscription à l'époque était de 1m54. C'est-à-dire que c'était mon épaule. Et il y avait un tiers du contingent réprouvé pour insuffisance de taille. Vous voyez un petit peu. Ah, alors vous avez le roi de Prusse, la reine de Prusse, l'empereur, bien sûr, ses généraux, son brillant état-major, le roi de Saxe, en rouge. Alors, la cavalerie vient de finir son tour. Je vais demander maintenant à l'infanterie de la garde de faire le tour. Alors, pour les parades, naturellement, les tambours et les tigres sont placés devant. Nous sommes en parade. À la bataille, je vous ai dit, ils étaient derrière. Américain, et il nous vient de Williamsburg, en Virginie. Vous pouvez l'applaudir, hein, il a fait le voyage. Hein. Et puis vous avez des gens qui viennent de toute l'Europe. Vous avez des gens qui viennent d'Allemagne. Vous avez des gens qui viennent de Saxe, qui viennent de Pologne, je crois, d'Italie, de Belgique. Donc la reconstitution est une grande famille qui regroupe des gens passionnés d'histoire, qui font de l'histoire vivante que vous voyez aujourd'hui. Le prestige de la France, le prestige de l'empereur. Donc c'est assez extraordinaire. Vous voyez ici, il porte deux décorations. Il a lui-même ordonnancé l'ordre de la Légion d'honneur, 29 fleurs à l'envi, 19 mai 1802. Donc c'est la Légion d'honneur. Et puis la couronne de fer du royaume d'Italie, elle n'existe plus. Mais la Légion d'honneur, bien sûr, continue de perdurer dans le temps. Oui, elle est ici, bien sûr, le grand cordon de la Légion d'honneur, parce que, tout simplement, vous savez, c'est un chef d'État, hein, il porte le grand cordon de la Légion d'honneur, le porte tous les chefs d'État français aujourd'hui. Mais c'est curieux de voir que cette décoration a traversé le temps, que ce soit la royauté, les républiques, eh bien, la Légion d'honneur est peut-être la décoration la plus prestigieuse au monde actuellement. C'est ce qui fait que beaucoup de gens la recherchent et puis souhaitent la voir. Le général de Gaulle a passé le départ à 125 000 et il y a seulement 90 000 personnes qui ont la Légion d'honneur. Ça va être centré sur 700 personnes. Petit détail ici pour les généraux. Petit détail sur les généraux. Quand vous voyez des épaules, ça veut dire que c'est un général qui est attaché à la cathédrale. Donc c'est quelque chose de prestigieux, de la garde impériale, c'est la réserve d'hommes la plus importante dans l'armée napoléonienne. Et puis, on parlait de nos alliés, donc la Saxe. Les Saxons, le roi de Saxe, Frédéric Auguste, le roi de Saxe, qui était un allié fidèle de Napoléon, et ici vous avez un colonel de Light Grenadier Guard, le grenadier de la garde royale saxonne. Donc ils vont servir également, jusqu'à la bataille de Leipzig, dans les rangs de l'armée française. Et puis comment ne pas parler des troupes alliées sans parler de la Pologne, puisque les Polonais ont été depuis 1796 les troupes les plus fidèles à la France. Vous savez quand même que, au point de vue historique, la Pologne est le seul pays d'Europe avec qui la France n'a jamais été en guerre. Donc il y a toujours eu
Vous pouvez les applaudir. Il y a toujours eu très large amitié entre les Français et les Polonais, dont vous voyez des couleurs cramoisies. Alors, entre parenthèses, dans l'artillerie, vous avez un groupe d'artilleurs russes. L'artillerie française était la meilleure d'Europe. Et Bonaparte avait fait ses classes à l'école militaire de Paris et ensuite dans l'arme de l'artillerie. Ah, ben voilà. Voyez ce que je vous disais, ça fait un petit peu de poudre. Alors imaginez maintenant, c'est rien ça, imaginez une batterie de 300 pièces d'artillerie, les unes à côté des autres. À la bataille de Leipzig, 96 000 coups de canon ont été tirés. 96 000 coups de canon. Voilà, alors vous avez ici ceux qui portent une coiffure en ourson, ce sont des Russes, et les autres ce sont des Italiens. Mais les Russes portent l'uniforme de l'artillerie à cheval de la garde, les Italiens portent l'uniforme de l'artillerie à pied française. Alors n'oubliez pas que demain, vous avez le grand défilé de toutes les troupes. Toutes les troupes, le défilé au centre-ville à partir de 11h, enfin vers 11h, 11h30. Alors ici, vous avez un superbe marin. Oui, c'est plus qu'un marin, c'est un capitaine de vaisseau. Vous voyez, uniforme de capitaine de vaisseau, vous voyez les broderies. Les uniformes sont refaits à l'identique. Les uniformes sont refaits à l'identique. Voilà, c'est très bien, il n'y en a plus. Regardez, la belle. Hein. Notre Polonais est puis ici, à ma foi, c'est quasiment Eugène de Beauharnais. Voilà, Eugène de Beauharnais, le fils de Joséphine qui commandait le régiment des chasseurs.